Chaque jour, les agriculteurs sont plus nombreux à s'engager pour produire autrement. Rencontre avec Didier Terrade, arboriculteur en Tarn-et-Garonne. Je suis engagé dans le plan éco-phyto, dans le but de réduire les traitements phytosanitaires. Les pommes sont très sensibles aux maladies et aux insectes. Nous utilisons plusieurs méthodes pour réduire le nombre de pesticides sur les vergers. Nous posons des diffuseurs de phéromones qui perturbent la reproduction des insectes. Une autre méthode consiste à fermer le verger complètement avec des filets pour protéger contre la grêle. Et ensuite, sur toutes les bordures, de façon à faire une barrière contre les insectes. On réduit le nombre de traitements grâce à la combinaison des différentes méthodes que j'ai énumérées. C'est mieux pour nous et mieux pour l'environnement. Ecophyto, produisons autrement.